Salut les gars, c'est Deza, vous êtes à mon studio et on est sur ProBanger. Bah déjà merci à vous d'être là les gars, ça fait grand plaisir. Bienvenue au studio, c'est ici que les choses se passent à fond. Carrément man. Bah dans l'équipe on a Janine, qui fait le café, puis elle est bonne tu vois, donc forcément. Et bah y a Harry qui mixe, qui master. Et puis j'ai pris aussi le cousin de mon ex. Bah c'est qu'en ce moment là, il a pas grand chose à faire tu vois. Chômage. Je l'ai pris. Il sert à rien, il connaît rien dans la musique, il connaît rien. Mais c'est pas grave, c'est cool. Tranquille, il est là, tu vois. C'est à quoi qu'il joue déjà? Ouais, je me sens bien. Ouais, grave, mec, putain. Tu sais quoi? Là, il y a la mixtape qui va sortir, ça va être feu. Bang, bang. Allumage de pute. Direct. Pour atteindre la qualité que je vise, il faut qu'ils aient un matos adapté pour pouvoir travailler et polir le son, tu vois. Même sur la communication, on est à fond, tu vois. Le cousin de mon ex, il a le dernier iPhone, tu vois, il filme bien. Ah, ici, on est présentement dans le studio de Zaprod. Moi, je m'appelle Henri, c'est moi qui suis l'ingé son. J'ai un rythme assez confortable, c'est vrai qu'on est plutôt choyé. J'ai 48 heures pour sortir un nouveau son à chaque fois de la mixtape de Deza. Franchement, il y a une bonne ambiance. Hey, sombre merde, est-ce que t'as fini le mix? Ah non, désolé, j'ai encore les reverbs à poser, le refrain. Faut que ce soit sur YouTube à 16h, mind ton gros cul, enculé. Moi, j'estime qu'en tant qu'artiste, créateur, je dois être à l'écoute aussi de mes gars, c'est important, tu vois. Harry, est-ce que je t'ai déjà dit que t'étais une grosse merde? Quand Harry me propose un mix, j'écoute les détails, là, tu vois. Il est dégueulasse ton mix, Harry. Vu la merde. J'entends rien, putain. Il y passe beaucoup de temps, il essaye vraiment de me proposer plusieurs choses, donc moi, c'est important que je sois à l'écoute et que je prenne aussi des membres de mon équipe, quoi. Super important. Je pige pas un mot, vieux, je pige pas un mot. Et Harry, si tu dois me gâcher tous les couplets que je pose, maintenant il y en a plein le cul, vieux. Moi je suis là, je te mets des pures bars, des pures skills, tu me gâches tout, mon frère. C'est dégueulasse. Ton mixage, il est dégueulasse. Tu sais, super important, le respect, mec. Super important, le respect. Je pense que respecter son équipe, c'est la base. Ferme ta gueule, Harry. Harry, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, deux secondes. Non, franchement, mec, c'est dégueulasse. Nul à chier. Janine, ton café est dégueulasse. Harry, c'est quelqu'un de très compétent. Il donne vraiment un plus à chaque couplet, à chaque morceau, chaque instru. Il a vraiment son univers. Puis c'est quelqu'un qui est plein de vie, quoi. C'est quelqu'un, tu kiffes avec lui, tu vois. C'est un délire, tu vois. Ce qui fait la différence dans ma structure, c'est que chaque membre de l'équipe est super important, tu vois. Et il faut que ce soit la famille, il faut que ce soit le sang, tu vois. Forcément, ça passe par ça, tu vois. Janine, mène ton cul, amène-moi ce café, ça fait 2 heures que je te l'ai demandé, putain. Sérieux, tu casses les couilles. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est la famille, quoi. C'est comme ça, c'est le sang, mon gars. Tu vois, on travaille, on est soudés. Bon, après, s'ils se mènent pas le cul, c'est pareil, tu vois. Ils peuvent aller pointer chômage direct, m'en bats les couilles. Qu'ils aillent se enculer leur mort. Quand je fais pas de rap, qu'est-ce que je fais? Je suis sur du tartinage de daronne, hein, généralement. Bah l'avenir, il a l'air cool, tu vois ce que je veux dire? Petit Covid, petit confinement. Au calme, les choses se passent, tu vois, on va rester au sud. L'équipe, on est tout le temps ensemble. De toute façon, les gars, ils passent leur vie au studio. Moi, je finis à 17. À 17, laisse tomber, il faut que je sorte. Eux, je leur demande de rester, tu vois, parce qu'il y a du boulot, mon pote, il y a du boulot, frère, attends, frère.
moi, je rentre à la maison, tu vois. Tac, tranquille, Fortnite. FIFA, quand il y a quelques collègues qui passent, l'équipe, ils dorment sur place. Ouais, je leur ai mis une pièce, et ils ont une petite kitchenette, frigo, deux plaques. Il faut qu'ils tartinent, donc forcément, ouais, je leur ai mis des petites couchettes, ouais. Bah écoute, on a pas mal de propositions de featuring en ce moment, je suis obligé de refuser un petit peu. Parce que les gars, ils sont clairement pas au niveau. Grave, il y a plein de projets qui vont sortir, plein de saloperies, tu vois ce que je veux dire, donc restez connectés les gars, restez connectés les frères, merci à vous. Tranquille mec, je reviens de la plage, là je vais me mettre au boulot. Enfin je vais plutôt regarder Harry bosser parce que bah, moi j'ai déjà enregistré, hein, c'est bon. Je vais aller à la salle. Je pense que... Carrément. Un mot pour la fin de 2020. Eh ben écoutez, joyeux Noël. Prenez soin de vous les gars, attention. Travaillez dans le respect, dans l'amour. Respectez vos proches, surtout. Et doucement sur la weed les gars. Hein. Tranquille les mecs. Yeah. Si les mecs, t'inquiète. Bien joué les mecs. Tu connais les bails, on est là mon pote. G-Man. Restez connectés les gars, 2A Prod pour Probanger. Bang bang.